Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 2 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Vous savez que tout passe par la pensée, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, j'ai pigé émotion à l'endroit. Eh bien, cette carte, elle représente la nécessité d'apprendre à reconnaître et à comprendre ses émotions. Elle symbolise aussi l'importance de travailler avec ses sentiments et de les gérer, n'est-ce pas? Non pas de les contrôler, mais de les comprendre, de les accepter et de leur permettre de circuler et de se transformer naturellement. Il est important de comprendre nos émotions. Petite question, que sont en train de vous dire vos émotions, vos sentiments? Si vous vous sentez en paix ou satisfait, pourquoi pas vous demander pourquoi vous ressentez ces émotions positives? En connaître et reconnaître les raisons ne va pas seulement éveiller en vous des sentiments de gratitude, n'est-ce pas, et de remerciement, mais le fait de comprendre pourquoi vous vous sentez en paix, cela va vous permettre de rester dans cet état paisible bien plus longtemps, ou de même pouvoir y retourner lorsque vous traversez des périodes où vous vous sentez un peu plus stressé. Si vous vous sentez inspiré, demandez-vous le pourquoi. Qu'étiez-vous en train de faire qui a permis que vous vous sentiez soudainement inspiré? Et une fois de plus, vous accueillez une influence positive. Surtout si vous apprenez à vous servir de manière créative et productive des émotions négatives que vous pouvez éprouver. Transformez ces émotions négatives en positives. Il est tout à fait bénéfique d'être attentif, n'est-ce pas, à vos émotions positives, car cette prise de conscience, eh bien, cela va vous permettre de reconnaître les moments qui éveillent en vous des sentiments heureux, en vous donnant en même temps les moyens de changer de centre d'intérêt pour vous détourner des émotions négatives que seul le temps va affaiblir. Le temps est avec nous, n'est-ce pas? C'est un ami, le temps, c'est pas un ennemi, hein? D'un autre côté, n'est-ce pas? Il est bénéfique aussi de prendre en considération les raisons qui nous font ressentir des émotions négatives. Si vous éprouvez de la colère, demandez-vous le pourquoi. Pourquoi je ressens de la colère? Que pouvez-vous faire pour travailler cette colère, pour la résoudre, pour la transformer? Est-elle proportionnée à la situation que vous vivez présentement? Si vous avez un sentiment de peur, demandez-vous le pourquoi. Qu'est-ce qui déclenche cette peur, cette angoisse? Reste-t-elle présente en arrière-plan, sous forme de stress? Posez-vous cette question. Et dans ce cas, eh bien, que pouvez-vous faire pour réduire ce stress? Y a-t-il des éléments dans votre façon de vivre, comme votre façon de vous nourrir, vos horaires de sommeil, ou la pression du travail qui augmente, votre niveau de stress dans votre vie personnelle? Qu'est-ce qui a fait cette anxiété?
connaître et comprendre quelles sont les choses qui vous font vous sentir plus en paix ou plus heureux, eh bien cela va vous donner les moyens de détourner votre attention des sujets négatifs quand cela est nécessaire, n'est-ce pas? Et cela peut vous apprendre à reconnaître les situations qui déclenchent votre colère ou votre peur. Ça peut aussi vous aider à savoir éviter ce genre de situation ou à les gérer plus facilement lorsqu'elles sont inévitables. Vous pouvez aussi découvrir qu'il est bénéfique de créer une diversion dans les moments où vous vivez, par exemple, des émotions que vous reconnaissez comme problématiques et malsaines. Alors, par exemple, comment faites-vous face aux émotions difficiles que vous ressentez s'il n'y a rien que vous pouvez faire pour modifier la situation? Une stratégie pourrait être de changer votre focalisation sur la situation et en agissant ainsi, de changer le circuit et bien de votre émotion que vous ressentez sur le moment. Comment faites-vous face à une situation, eh bien, lorsque celle-ci vous effraie ou vous met dans une colère que tout calme et toute raison vous ont quitté? Vous pouvez trouver un exutoire comme faire des exercices de respiration profonde. Ça, c'est un bel exercice. C'est ce que moi, je pratique. Quand il y a quelque chose qui me dérange, que je sens que la moutarde me monte au nez, je fais des grandes inspirations et respirations. Essayez d'aller faire peut-être une marche, si vous en avez l'occasion. Si vous êtes vraiment dans une colère monstre, prenez un coussin et tapez, cognez sur le coussin. Ça va extérioriser votre colère. La clé n'est pas de nier ce que vous ressentez, ni d'essayer de le contrôler, mais de reporter votre attention sur quelque chose d'autre jusqu'à ce que l'intensité des émotions d'origine se soit tassée pour pouvoir alors, eh bien, commencer à les régler. Et dès qu'un petit peu de calme est retrouvé, vous pouvez alors observer vos sentiments. Vous pouvez observer la situation. Qu'est-ce qui les a déclenchés? Et à ce moment-là, travailler à les résoudre avec moins de chances de faire quelque chose que vous regretteriez par la suite. Alors, une fois encore, il est important de comprendre ce que nous ressentons et souvent une réaction à ce que l'on a vécu dans le passé. Ça peut surgir des réactions du passé, n'est-ce pas, de notre vécu du passé, et que le message qui peut nous être donné, eh bien, est de réagir à présent avec l'action. Mais parfois, surtout si notre passé nous a rendu très réactifs et sensibles, nous pouvons surréagir, et c'est à ce moment-là qu'on crée ainsi une situation qui sera bien plus difficile à résoudre, voire impossible. Les conflits sont souvent la conséquence directe d'une incompréhension, n'est-ce pas? Comprendre, ça c'est la première chose. Comprendre une émotion, comprendre vraiment. Et commencer par vraiment comprendre nos propres émotions. Cela va nous amener à avoir de la clarté, à nous donner l'occasion de guérir
et de grandir. Que savoir prendre un moment pour reconnaître vos émotions et leur faire honneur en comprenant l'information très utile qu'elles vous fournissent, soit pour vous une pratique quotidienne. C'est important de comprendre l'importance de l'émotion, la colère. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Qu'est-ce qui a déclenché cette rage? Qu'est-ce qui a déclenché cette peur? Ce sont toutes des émotions que nous devons les accueillir, mais accueillons-les avec une grande respiration. Accueillons ces émotions et puis respirons. On inspire, on expire et puis on voit ce qu'on peut faire avec cette émotion qui vient de nous surgir. C'est important. Alors aujourd'hui, le message de ton âme, eh bien, c'est s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Waouh, s'unifier. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain. Thank you.